que le chemin est fait. Que le chemin est fait. Et nous sommes presque au... Le vice-président l'a répété tout à l'heure. L'objet de l'UCAF, c'est la défense des intérêts. Les intérêts des clubs. C'est la défense des intérêts des clubs. On peut prendre le problème à la personne qui sera donnée à la direction de la fédération à son programme personnel. Et l'UCAF a ses aspirations aussi propres, qui sont les intérêts des clubs. Et je pense que c'est une. L'UCAF peut être fier. Parce que nous avons passé déjà la première phase des éliminatoires. Et quand l'UCAF fait son bilan, il y aura plusieurs membres de l'UCAF qui seront aux instances, je dirais, prêts. Et l'UCAF donc pourra constituer un lobbying important. Pour ce que M. le maire a dit tout à l'heure, je vais un peu tirer expérience